Pour parler des objectifs, et en particulier les objectifs de notre présence ici au Salon des métiers, nous avons réuni trois écoles techniques, l'école technique de la Vallée de Joux, l'école des métiers de Lausanne et le centre professionnel du Nord-Vaudois, trois écoles aussi d'art appliqué, le centre d'enseignement professionnel de Vevey, l'école de couture de Lausanne et nous les RACOM. Pour nous, c'est essentiel d'avoir ce contact avec des jeunes qui entreprennent une formation initiale notamment, de pouvoir leur montrer la palette de nos offres et d'avoir cette alternative qui existe à l'apprentissage, que sont les écoles de métiers. Pour parler de conseils que je pourrais donner à un jeune qui veut entrer dans une école professionnelle, d'abord savoir que beaucoup de ces écoles pratiquent des examens d'entrée, des tests d'aptitude aussi. Donc, ils visent une certaine excellence. Il faut bien sûr venir ici au Salon des métiers se renseigner. Et puis, très souvent, toutes ces écoles organisent des journées portes ouvertes. Nous-mêmes, nous aurons une journée porte ouverte le 24 novembre prochain. Et je pense que c'est essentiel parce que là, on peut vraiment toucher de près, découvrir encore davantage la formation et puis déjà savoir, en quelque sorte, vers quoi va aller ce test d'aptitude, cet examen d'entrée, pouvoir se préparer, avoir une connaissance préalable du métier envisagé, de la formation envisagée.